this place. On devrait récupérer le reste de l'équipe, non? On dirait qu'il remet même plus en question ce qu'ils lui disent. Je veux dire, il est plutôt futé, mais les parents peuvent se tromper. Il doit se fourrer ça dans son petit crâne de piaf. Bonnie? Il peut pas rester éternellement un fils à maman. Bonnie? Hein? Il fait vraiment froid, là. On devrait peut-être retrouver les autres et partir. Oh. Le froid. Ouais. J'ai ce qu'il faut pour ça. De l'antigel. Ok, merci. Bourrons-nous la gueule. Je ferais mieux d'éviter. Est-ce que tu veux être fun ou est-ce que tu veux être chiante? Mais nous, on sait que ces potes ils sont claqués. Il y en a un qui a disparu, l'autre qui a été coupé en morceaux là. Ah, allez, vas-y. Picole. Ouais, carrément. Merci. Oh, c'est vide. Oups, on dirait bien que j'ai eu plus froid que je le pensais quand je vous ai suivi jusqu'à cet endroit. Ah. Je connais mes limites. J'ai dû veiller à bien les respecter pour survivre aux dernières semaines en famille. C'est quand même pas si terrible de passer du temps en famille. Tout à fait ce que dirait quelqu'un qui n'a pas passé assez de temps avec ma famille. J'ai passé beaucoup de temps avec Jaime. Jaime est... est mort. Ah, il a ses bons côtés. Il avait... Faudrait juste qu'il grandisse un peu. Il faut que tu le convainques de quitter Cedar Hills dès qu'il aura son diplôme. Il pourrait venir à New York ou n'importe où du moment qu'il s'éternise pas ici. Je crois pas que Jaime se soit jamais imaginé ailleurs qu'ici. Il pense pas à si long terme. Eh ben, même s'il l'a pas fait, toi tu dois le faire. Partir? Ouais. Enfin... à moins qu'il y ait une raison secrète et suffisamment importante pour que tu veuilles rester ici. Espiègle, en quoi ça te regarde? Dédaigneuse, rien de tout ça. Non, rien de tout ça. Dédaigne. Rien de tout ça. Sauf si t'inclus mes passions à sens unique pour des auteurs morts depuis des lustres. Je le savais. Que j'en pense pour des Maccabées. Que t'es bien trop au top pour cette ville. Ah, ça pourquoi tu détestes autant Cedar Hills? T'étais, pour ainsi dire, sa mascotte. Ça ah, c'était quand je croyais que le monde commençait à Main Street, faisait tout le tour de la Terre et retournait à Main Street. Dès que j'ai déménagé à New York, j'ai réalisé que le véritable monde démarre sur Canal Street, qui fait des va-et-vient entre l'avenue C et la 12e, et qui s'achève sur la 14e. Cedar Hills est même pas dans le tableau. Comment ça va avec ton groupe? J'aimerais vraiment te voir en concert. Finito, terminé, caput. Désolé. Bon, c'est pas grave. Tu sais, les groupes... j'en avais créé un pour draguer les meufs, mais j'ai fait l'erreur magistrale de draguer une fille de mon groupe. Oh? Elle était cool, mais... dès qu'elle a réalisé que mon retour aux sources s'éternisait, elle et le groupe ont continué en me laissant sur le bord de la route. Oui, c'est vrai qu'elle est lesbienne. Tu méritais mieux que ça. Ouais. C'est aussi ce que je pense. Je devrais peut-être aller retrouver les autres. T'es sûre? Je commençais à peine à me réchauffer. Ouais, j'en suis sûre. Roule-lui une pelle! Roule-lui une pelle! Ah bah, tu vas retrouver des bouts de ton frère, ça va te faire bizarre. Dès le retour de ma mère, c'est l'aller simple pour « je mets les voiles sur Bye Bye ». Je mets les voiles. Ciao, pronto, tutto, salut les potos. Et j'ai toujours pas... je me casse de Cedar Hills, pour de bon.
Oh. Je peux comprendre. New York. Bah alors, tu vas traverser pas bien ce pont, sinon. Bah, il y a d'autres villes, tu sais. Non, il y en a qu'une. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Ce que je fais d'habitude, faire des trucs, les foirer. Peut-être bien faire des films. Ah ouais ? Ouais, ça a l'air fandard. Il y a bon moment, ouais. Elle sort d'où cette caméra d'ailleurs ? Oh, c'est pas la mienne. Je sais, Léa Jaime. Je te demande d'où elle vient. On l'a trouvée dans une brocante en ville. Ah, du fléau. Ça doit être la seule et unique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Linda? Tu as du mal à te mouvoir? Clé à molette, ce qui n'est pas du tout une clé à molette, mais on dira clé à molette. Hey, les gars. Exactement. Tout le monde est perdu sauf moi ? Ah, Bonnie, elle a arrêté de me suivre. Là, il y avait un clown. Il est toujours là. Ah, j'adore. Donc là, c'était cul-de-sac. Belle histoire. Ah. Oh non. Jaime. Bonnie. Jaime. Hermanito. Non, 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 non. Il est... Linda, il... Ouais, il respire plus. Il est mal en point, oui. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé, putain de merde ? Ouais, là tu... Choqué. Choqué. Bien sûr. À quel moment tu retrouves des gens dans cet état-là, c'est pas possible. Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Mon petit frère. Bonnie, je crois pas qu'on soit en sécurité ici. On sait pas ce qui s'est passé. Et la caméra, peut-être qu'ils étaient en train de filmer quand... Peut-être, ouais. Peut-être. On devrait trouver Chris et Robert. Ah non, je veux pas laisser Jaime. Celui qui a fait ça est peut-être encore ici. On peut pas rester, ok ? Prends son bras et ramène-le. C'est un minimum. Hein.
vous, bonne nuit. Mais c'est ce qu'on a fait avec la caméra l'autre fois et bordel, c'était quoi ça? Il faut que je me tire d'ici. Et on est mort. Je peux grimper là-haut. Je pourrais m'enfuir. Voilà, on est... Ah, tu gères. On est dans le stress, mais bon, on la joue dans le futur, elle peut pas mourir là. Ça. Super.
trop beaucoup ça. Oh merde, putain.